It was early, early on in the spring, when the small birds whistled and sweet did sing, changing their notes from tree to tree, and the song they sang was Old Ireland Free. Donc avant de passer la parole au professeur Washmore, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'environnement dans lequel s'est passée cette sortie du côté de l'Irlande. Tout d'abord, faisons connaissance un petit peu avec l'Angleterre. L'Angleterre a comme possession de la couronne l'Irlande et l'Écosse jusqu'en 1707. Et en 1707, c'est le roi d'Écosse qui devient roi d'Angleterre. Et à son décès, sa fille Anne va faire l'amalgame des deux royaumes. Et on va passer du coup de l'Angleterre à la Grande-Bretagne. Et puis ensuite, avec l'Irlande, on va avoir le Royaume-Uni. Donc ces trois mots, en fait, Angleterre, Grande-Bretagne et Royaume-Uni, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, en fait, voilà d'où ça vient. Et voilà comment est constitué le drapeau anglais, avec la croix Saint-Georges d'abord, avec le fond écossais, et puis complément avec la croix irlandaise. Alors, pourquoi cette révolution est-elle si particulière et quelle expérimentation on va parler? Selon Édouard Chapuisat, les jeunes lois de 1782 étaient dominées par leur conception concernant la forme du gouvernement. Ils étaient inféodés à leur catégorie sociale respective, au point que la patrie elle-même apparaissait comme un objet agréable mais inutile, sitôt qu'il ne correspondait plus à toutes les aspirations du cœur, de l'intelligence et de l'intérêt. Les constitutionnaires ne voient pas Genève hors la constitution qu'ils ont acceptée. Toute modification équivaut pour eux à une trahison. Genève ne serait plus Genève. Ils n'hésitent pas à appeler à l'étranger pour les aider à maintenir ce qu'ils considèrent comme la seule vie normale de leur république. Ils préfèrent renoncer à une partie de sa souveraineté en la confiant à la garantie de puissance étrangère plutôt que de demeurer dans une cité où ils ne seraient soumis à des lois qu'ils jugent néfastes pour la conservation de l'État. Les représentants de leur côté, ayant échoué dans leur entreprise pour la conquête pacifique, je rappelle, du pouvoir, vont appliquer les idées de Rousseau de 1768, qui disait « Il vous reste un dernier parti à prendre. C'est, au lieu de souiller vos mains dans le sang de vos compatriotes, de leur abandonner ces murs qui devaient être l'asile et la liberté et qui vont n'être plus qu'un repère de tyrans. C'est d'en sortir tous ensemble, en plein jour, vos femmes et vos enfants au milieu de vous, et puisqu'il faut porter les fers, d'aller porter ceux de quelques grands princes, et non l'insupportable et odieux joug de vos égaux. Le but de la manœuvre est de vider Genève de toute sa capacité économique et intellectuelle. » Les réfugiés, à l'époque du XVIe siècle, c'était l'arrivée à Genève d'une force de frappe, et au XVIIIe siècle, c'est cette force de frappe qui va partir à l'étranger. Quelques mots sur le contexte en Irlande. En 1782, on a le gouvernement Grattan, qui est jusque-là l'église anglicane d'Irlande, bien que minoritaire, connaît toutes les décisions politiques du pays. Les catholiques et les presbytériens, grande majorité de la population irlandaise, étaient totalement exclus de la vie publique
depuis 1691. Le Parti national se battait alors pour libérer le Parlement irlandais de son asservissement constitutionnel au Conseil privé du Royaume-Uni. Car, en vertu d'une loi datant d'Henri VIII, toute proposition de loi irlandaise devait être soumise préalablement au Conseil privé pour approbation sous le grand sceau d'Angleterre avant de passer devant le Parlement irlandais. Un projet de loi ainsi approuvé pouvait être accepté ou rejeté, mais ne pouvait en aucun cas être amendé. Depuis de nouvelles lois anglaises en 1720, la Chambre des communes anglaises revendiquait et exerçait le pouvoir de légiférer directement pour l'Irlande, sans même de consultation symbolique du Parlement de Dublin. L'année de la Révolution de Genève, Henri Grattan, chef de file du mouvement Force l'Angleterre, a accordé l'indépendance législative au gouvernement irlandais. Mais avec le parti législatif, car son Parlement n'a aucun contrôle de l'exécutif irlandais, dévolu au Lord Lieutenant d'Irlande et à son secrétaire général, toujours nommé par les ministres anglais. La Chambre des communes d'Irlande, les deux tiers de ses membres, étaient élus par des petits arrondissements, les boroughs, aux ordres d'individus dont le soutien était acheté par des titres et des pensions. La Chambre des communes ne représentait donc pas le peuple irlandais. La majorité de la population était exclue de l'électorat, soit pour son catholicisme, soit pour son presbytérianisme. Après la victoire du Parlement de Grattan, une vague d'idées intellectuelles brillantes submerge l'Irlande. La plupart des plans visent à instaurer en Irlande un centre de créativité et d'industrie et d'y attirer les grands artistes et intellectuels européens, permettant ainsi de positionner le pays parmi les nations européennes les plus éclairées. Le timing des bannis genevois était alors on ne peut plus parfait, qui offrait ainsi orfèvres et horlogers pour booster l'artisanat culturel irlandais. Revenons à nos émigrés genevois et à François Duvernois. Les invitations commencent à affluer de toute l'Europe, et parmi lesquelles le duc de Toscane, le prince de Hesse-Homburg, et finalement, par le truchement de Lord Mahon, le républicain anglais et grand ami de Genève, du roi Georges III. Selon les dires d'Édouard Chapuisat, François Duvernois, représentant banni, s'employa à procurer à ses compatriotes désireux de s'expatrier et pour leur rassembler en partie à Neuchâtel, un lieu où ils puissent reconstituer leur foyer. Parmi les innombrables offres, c'est en Angleterre qu'il va pousser plus loin les pourparlers. En cette année 1782, c'est donc un Premier ministre très bienveillant qui reçoit l'émissaire genevois. C'est dans ce courant libéral qui est mené ce que nous appellerons le Waterford Experiment, dont parlera dans quelques instants en anglais notre conférencier de ce soir, Richard Washmore, professeur à la Saint-Trondouze Université à Édimbourg, en Écosse, je veux dire. La visioconférence a été réalisée le 28 mai 2021 à la demande de la Société d'archéologie et d'histoire de Waterford. Le 14 février 1783, au château de Dublin, sous le gouvernement Shelburne, le Lord Lieutenant ou vice-roi d'Irlande, Lord Temple, signe un décret qui alloue aux Genevois en exil, à des conditions fort avantageuses, un territoire de 4 451 hectares, situé à 6 km et demi de la ville de Waterford, où une cité pouvait être érigée afin d'y regrouper des artisans, notamment les horlogers de la fabrique, et d'y fonder une haute école protestante. Une somme de 50 000 livres est également allouée pour le transport des familles depuis Genève et les premières constructions.
On voit ici l'arrivée d'estuaires qui ressemblent un petit peu à Genève. Et on a ici, dans cet estuaire, la partie qui est dévolue aux Genevois. En 1783, une partie de la bourgeoisie industrielle, notamment de l'industrie et de la bijouterie, se laisse convaincre par leur leader, Ami Mélie, de choisir l'exil plutôt que la soumission. Clavière et Ringier profitent de cette ouverture irlandaise pour se naturaliser à Dublin. Ami Lulin à Waterford, tandis que Divernois et les autres commissionnaires prêtent allégeance à Georges III. Et c'est là qu'il faut évoquer les Dufour. Olivier Reverdin, arrière-arrière petit-fils du futur général Dufour, nous confie « La situation politique s'étant considérablement détériorée à Genève en 1782, Bénédicte Dufour prit le parti d'émigrer avec sa fiancée Pernette Valentin, dont le père était un des natifs les plus remuants. Il se prénommait Guillaume Henri. Il avait été du nombre des horlogers genevois qui avaient émigré à Versoix, puis que Voltaire avait attiré à Ferney. Le contrat de mariage est établi à Genève par le notaire Jean-Jacques Choisy en date du 3 novembre 1783. Mais le mariage n'est célébré que le 28 février 1784 dans l'église Saint-Étienne de Waterford, en Irlande, où s'étaient regroupés un grand nombre d'émigrés genevois. Les plans de la future ville, qui sera nommée tout naturellement New Geneva, sont confiés à James Gandon, que voilà l'un des plus célèbres architectes de Dublin. Et le 12 juillet 1784 est posée la première pierre d'une nouvelle Genève qui ne s'éleva jamais, New Geneva, the town that never was. Le projet de colonie, on voit ici le plan du départ des constructions, avec quelque chose de plus large au fur et à mesure que devait être établi. Que la ville devait se développer. Le projet de colonie va en effet rapidement s'enliser pour des raisons principalement politiques. En 1783, Shelbourne s'est mis en difficulté par sa proposition de loi sur le libre-échange entre l'Angleterre et les États-Unis. Face à l'opposition, il doit démissionner. Et puis, il y a aussi les revendications genevoises. Dans l'esprit de leurs premiers vœux, les Genevois exprimèrent le désir de se représenter eux-mêmes au Parlement et d'avoir ainsi la capacité de s'autogérer avec des lois similaires à celles qu'ils avaient chez eux à Genève. On comprend bien que pour les Irlandais, ils n'avaient pas accès à ce genre de privilèges. Les négociations furent rapidement rompues et le projet morné. La colonie genevoise, c'est une catastrophe et il faut trouver d'autres terres d'accueil. Et ils vont partir du côté de Constance, du four, Guillaume Henry va naître. Alors, qu'est devenu New Geneva après le départ? Eh bien, c'était finalement un endroit où ça a été laissé à l'abandon et l'État a repris les terres et il a fait construire des baraquements pour la troupe, qui ont été transformés en prison lors de la répression de 1798, et le lieu passa à la postérité sous le désormais tristement célèbre appellation de Geneva Barracks. La rébellion éclata en 1798 et fut durement réprimée par l'armée britannique sous les ordres de Lord Cornwallis. Et dans les rangs des rebelles, il y avait notamment des enfants armés de piques dont le crâne était rasé ou les cheveux coupés ras, pour rappeler les sans-culottes français, on les appelait les Croppy Boys. C'est le titre d'une complainte du folklore irlandais, dont la dernière version, signée sous le pseudonyme de Carol Malone, l'année même où Dufour entrait dans sa maison de Contamine, évoque les Geneva Barracks,
Voilà, je vous souhaite un bon film et je laisse à Michel le soin de passer la présentation du professeur Washmore. At Geneva, Barrick, that young man died, and at Passage they have his body laid. Good people who live in peace and joy, breathe a prayer and a tear for the cross.